Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va évoquer toute l'actu mercato du club comme d'habitude, avec les infos officielles du jour, des contrats pro, la signature de Gerson, des arrivées dans le staff, un point aussi sur Strootman, Simeone et Under, parmi les autres informations du jour. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, seriez-vous satisfait de voir le retour de Ribéry à l'OM cet été puisqu'il est libre de tout contrat? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement avec les infos officialisées aujourd'hui par le club. L'arrivée de Gerson est la première avec une annonce magnifique encore une fois. Il s'est engagé pour 5 ans comme prévu. Autre info officielle, Ame Caprice a signé son premier contrat pro. Le milieu de 16 ans qui peut aussi jouer latéral droit s'est engagé pour 3 ans. Il n'est pas le seul contrat pro de la journée puisqu'Aylan Benyaya Tani à 15 ans seulement s'est engagé lui aussi pour 3 saisons. Autre info au niveau du staff, l'OM a recruté Felipe Saad, l'ancien joueur de Guingamp, Lorient et Strasbourg entre autres, vient de rejoindre le staff de Sampaoli pour remplacer Patrizio D'Amico qui était jusqu'à présent le traducteur. Du côté des équipes de jeunes, l'OM a recruté Kamal Ahamada, milieu né en 2005 qui était jusqu'à présent au club d'Herbel. Le jeune milieu a d'ailleurs posé avec son nouveau maillot comme on peut le voir à l'écran. Pour la N2, Maxence Flachès devient le nouvel entraîneur. Il remplace Philippe Anziani qui devient l'entraîneur des attaquants du centre et qui accompagnera les U15 le week-end d'après 13-0-13. On apprend aussi que Pancho Abbandonado est confirmé dans ses fonctions, il restera dans le staff de Sampaoli pour la saison prochaine. Nous sommes le 1er juillet et qui dit 1er juillet dit aussi fin de contrat officiel pour 4 joueurs de l'effectif. Germain va libérer une bonne partie de la masse salariale. Il y a aussi les départs de Kawi, Nagatomo et Pelé. Pelé à qui je veux rendre hommage dans cette vidéo, lui qui a fait une Super Ligue Europa en 2018, qui a souvent fait des intérims réussis et qui a toujours montré un super état d'esprit qui était vraiment irréprochable. J'aimerais le revoir en Ligue 1 pour une dernière pige et je lui souhaite bonne continuation. Pour Strootman, on évoquait hier un prêt pour le néerlandais du côté de Cagliari. Le Genoa n'a pas réussi à s'entendre avec l'OM pour un transfert définitif. RMC Sport confirme l'information et indique que le joueur devrait être transféré à Cagliari et non pas prêté. Un contrat de 2 ans qui l'attend du côté de l'Italie. Dans le dossier Simeone, TIC Sport indiquait aujourd'hui que la rencontre avec Cagliari pour Strootman a aussi permis de discuter d'un éventuel transfert de Simeone. L'attaquant argentin est la priorité des dirigeants et de Sampaoli pour être le renfort en attaque. Foot Mercato indique d'ailleurs que Simeone donne sa priorité à l'OM et qu'il est convaincu par le projet. L'OM aimerait un prêt avec option d'achat alors que Cagliari veut un transfert sec. La volonté du joueur de rejoindre le club est confirmée par Nicolo Sciarra qui indique que le DS de Cagliari a rencontré un intermédiaire de l'OM à Milan aujourd'hui. Cagliari aimerait 15 millions d'euros et l'OM aimerait vendre à côté de ça Dario Benedetto pour transmettre une offre par la suite. En parallèle du dossier Paul Lopez, Pablo Longoria a ouvert d'autres pistes. On évoquait hier la piste Roman Bourki, qui est peut-être un petit peu plus sérieuse que ce qu'on pouvait penser. D'après RNBVB, le gardien serait proche de s'engager avec l'OM. Ça peut jeter des doutes sur le dossier Paul Lopez qui paraît très avancé malgré tout. Faut évidemment pas se fier à ce que les différents médias racontent, mais les deux pistes ont l'air d'être en bonne voie et un seul sera recruté, à moins que Steve Mandanda décide de prendre sa retraite, ce qui me semble vraiment pas être la tendance du moment au vu des dernières déclarations du phénoméno. Bourki, lui, continue de s'entraîner avec Dortmund, même s'il paraît clairement être sur le départ. Pour Cengiz Under, si on en croit les informations d'Ekrem Konur, les négociations ont abouti entre l'OM et la Roma. L'ailier turc serait un joueur de l'OM d'après lui carrément, et il devrait rejoindre Marseille d'ici quelques jours pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Les récentes infos évoquaient un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. D'après Yagis Sabun Koglu, ce serait un transfert de 10 millions d'euros, la Roma garderait 30% et un contrat de 4 ans attend le joueur du côté de Marseille. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.